feuille de route qui vient d'être lancée par son excellence la première dame. Et suite au forum de haut niveau des femmes leaders qui a été organisé en octobre en 2021 et sur la lutte contre la malnutrition. À l'issue de ce forum, il y a eu des recommandations qui ont été formulées et alors on a pu identifier des actions à mener pour répondre à ces recommandations. Alors les actions viennent pour soutenir déjà les actions qui sont en cours au niveau des institutions étatiques et concernent beaucoup plus des actions de plaidoyer dans tous les niveaux auprès des élus du peuple, auprès des décideurs des institutions gouvernementales, mais aussi auprès des partenaires, notamment à ce qui concerne la considération, l'intégration de la nutrition dans les politiques et programmes de développement du pays, et l'intégration de la nutrition dans les pupilles de formation, l'intégration de la nutrition dans les plans de développement communaux, mais aussi il y a des actions qui visent le soutien aux femmes vivant en milieu rural pour leur autonomisation et pour une bonne nutrition. Et des actions aussi de sensibilisation et pour la promotion de la planification familiale. Mais également, il y a des actions de communication et de sensibilisation pour le changement de comportement. Et là, il est prévu même la création d'un centre national moderne d'éducation nutritionnelle avec comme visée donc le changement de comportement et des habitudes alimentaires. Dans ce centre, on aura notamment les aspects de recherche, les aspects de démonstration culinaire, de formation et de sensibilisation communautaire.